Bah, Sana, Lina, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais voyons, moi je m'appelle pas Sana, je m'appelle Axtérix. Et moi je m'appelle pas Lina, je m'appelle Obélix. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sana et Lina. Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes à Carnac, au pays de Mini. Qu'allons-nous faire? Nous allons faire un cache-cache. Cache-cache parmi les Mini. Un cache-cache. Et nous sommes en compagnie de notre petit frère, Iliès. Et ma moustache tombe un petit peu. Donc, du coup, comme la moustache d'Obélix tombe, je crois qu'Obélix va ranger sa moustache. Oui, je l'ai. Donc, nous allons faire un cache-cache où nous aurons un chronomètre. Donc, on va voir qui va commencer. Ok, donc, je vais regarder sur le portable. Oh, on a duré. Non, un petit témoigné. Avec le mot, c'est pas facile. Il y a un petit fusil. Donc Lina, non, tu vas te cacher, je prends des scaphandres. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Par contre, tu vas être déchiqueté la moustache. Je crois que tu es un peu aidé parce que le petit frère dans la direction. Je sais pas pour de l'Obélix. C'est en haut. Par ici, mais pas par là. Obélix est bien caché. Peut-être sous le chien. Pas caché, c'est joli, hein. Mini sous le chien. Et voilà. Astérix, tu as trouvé Obélix? Sous l'autre chaîne du grid, Panoramix. Non, non plus. Non plus. Bah alors, Astérix, as-tu pris un peu de potion magique? J'ai pas pris de potion magique, j'ai oublié. Tu as oublié la potion magique? J'en ai pris, par contre, avant de partir. Pas de potion magique. Normalement, la potion magique ne nous donne que de la force. Astérix est très rusé, mais Obélix est malin aussi. Il a des oreilles. Ah, bah là, mais je le voyais, il était. Oui, oui, mais c'est non, vrai que s'il n'y avait pas le petit frère, ça aurait été plus facile de te cacher. Peut-être. Et maintenant, je vais. D'ailleurs, j'ai oublié si c'est Idéfix, je crois, le nom du petit chien d'Astérix. Oui. Je crois que c'est Idéfix. Dites-nous dans les commentaires si je me trompe. Et aussi, pourtant, Obélix n'a pas de pistolet. Ah, tiens, Obélix. Est-ce que tu captes de partir à Mimir? Oui. On va voir. Il s'appelle comment le chien déjà? Idéfix. Idéfix.
Sophie. Bon, il aurait dû avoir des petites oreilles. C'est pas grave, on va faire une dernière partie. On va faire une dernière partie. Donc c'est à qui de compter déjà? C'est à moi. Non, c'est à... c'est contre Lina, c'est à toi. On le fera après. C'est parti. Cache-toi vite. On va prendre le petit frère avant. Ilias, viens ici. Viens, Ilias, viens. Allez, bien. Alors, Elias n'a pas voulu mettre de tenue de Romain ni de Gaulois. Bien, on va chercher Lila. C'est parti. Tu as pris le chrono? C'est en route. Donc, c'est en route depuis 20 ans. Comment? Tu as vu Obélix? J'ai vu Astérix, mais Obélix, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu. Ah, 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 ah. Obélix, je l'ai trouvé. Attendez. Ah oui, j'ai vu quelque chose bouger. Dans l'air du pays de avec un pistolet. Tiens Lina, tu vas nous porter un mini? Lina oui. Obélix, Obélix. Alors on va reproduire la page de bande dessinée. Pas ici. Mettre la derrière. Voilà. Regardez, ça vous dit rien cette image? Regardez, regardez, regardez. Ça vous rappelle pas quelque chose? La page de l'album. Tous les albums d'Astérix. On voit à la fin sur la couverture. Et maintenant, regarde. On voit Obélix porter le meilleur. On fait une autre partie? Oui. Allez. Je compte. La petite de... oh, je crois que Obélix, on va mettre plein. Je vais mettre la dresseur. D'accord. D'accord. Voilà. Ça ne tient pas tes cheveux, on va mettre tout de suite. Alors, c'est à qui de compter, on a dit? C'est Obélix. C'est parti, alors, Obélix. Tu comptes jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la table. Astérix. Non, non, Lina, c'est un peu trop rapide. Obélix, c'est un peu trop rapide. On va attendre un petit peu. Parce que là, c'est un peu facile. C'est quand même assez chaud. Voilà. Là, on va profiter de tout. Voilà. 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 Bah oui, je crois que Idéfix a trahi son maître. Idéfix. Ah, je sais qu'il est. Au loin, j'ai vu Idéfix. Donc, Astérix ne va pas être très loin. Idéfix a trahi son maître. Tu as été trahi, Astérix, par ton maître. Par ton chien, je veux dire. Oui. Mais surtout tout. Ok, bah, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Oui. Alors, vous avez trouvé comment cette partie prochaine? C'était super. Alors, vous voulez refaire une autre plus tard? Oui. Oui. Ok. Alors, dites-nous dans les commentaires quelle est votre cachette préférée. Oui. Ma cachette préférée, c'était... je sais pas. C'est le chêne? Non, elle était pas là. Moi c'était où je tournais, ouais. Ok. Bon, bah déjà on va juste passer aux petites dédicaces. Donc les dédicaces sont... Alors j'ai relevé les noms. Yes. Dang. Dang. C'est... le nom des dédicaces.
on n'a pas pris la boîte, parce que l'amener ici, c'est un petit peu plus compliqué. On est sommes à l'extérieur. Donc je suis prêt. Cala! Où là? Alors, on t'écoute. Marrant, ça va être Lina Lino, te fait des gros Lina, bisous. Lino. Lina Lino, comme bien moi. Sûr, ce n'est pas Lina Machin. Lina ou Félix. Ouais, voilà. C'est une youtubeuse aussi. Elle fait un roomcast d'ailleurs juste après le tien à Lina. Donc on vous invite à vous abonner à sa chaîne. On vous invite à Lina vous abonner Lino. À sa chaîne. On te fait des gros bisous et des gros câlins. Et maintenant, deuxième dédicace, c'est. On te fait des gros bisous et des gros câlins. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. On va. Non, ouais, pistolet, c'est interdit. Un menhir.